on a déjà 900 mètres de tablier en stock. Donc on va d'ici fin février, on aura fait le premier kilomètre de viaduc en préfa. Le tablier s'auto a besoin d'être continu à mesure qu'il se construit, puisqu'on utilise le tablier pour amener les pièces suivantes. Chaque élément, suivant alors sa nature, sa complexité, est réalisé dans un cycle de 2 à 10 jours. Les pièces les plus délicates, les plus sophistiquées, sont préfabriquées en une dizaine de jours, les pièces les plus courantes en 48 heures. On a atteint nos cadences et maintenant il faut maintenir ce rythme toute l'année 2017-2018. Ce matin, l'usine à Voussoir, donc ceux qui ont pu la visiter, j'ai eu cette occasion de le faire avec plus de 250 Réunionnais qui travaillent aujourd'hui dans cette usine pour pouvoir réaliser les différents éléments qui constituent aujourd'hui le tablier et qui est progressivement pesé. Donc effectivement, tout ce qui concerne aujourd'hui le viaduc et l'avancée d'un certain nombre de digues donc progresse normalement. 1, 2, 3. Vous êtes les premiers usagers en fait à être sur le viaduc de la nouvelle route du littoral et qui piétinait le nouveau revêtement de la nouvelle route du littoral. Ouvrage de génie civil et ouvrage de digue aussi, puisque de part et d'autre de l'ouvrage principal, vous avez une digue de 200 mètres de part et d'autre qui a nécessité 350 000 tonnes d'arrangement et de remblai et qui est protégée de l'océan. Par des carapaces et puis côté grande chaloupe, des acropodes de 15 à 20 tonnes qui protègent l'ouvrage en cas de forte houle.